Alors ici, on a un exercice qui est fait pour aller chercher de la fatigue et malgré cette fatigue, tenir l'équilibre. C'est ce qui nous arrive fréquemment dans les 30-40 dernières secondes de course. C'est toute la difficulté de tenir le coup. Et sur le bassin, mets les cuisses. Ok. Bon, pas si facile, hein? Alors ça, à l'époque, c'était une minute et demie, voire deux minutes, sans s'arrêter. Et bien sûr, sans que je tienne le banc. Là, ça chauffe. Et c'est pas mal. Bien! Et pas mal. J'y croyais pas. C'était belle la vie avant. Quand tout ça, c'était facile. Allez, on se laisse pas abattre. Donc là, vous noterez qu'on va pas simplement chercher à maîtriser l'équilibre, mais qu'on va vraiment chercher à fatiguer et contrôler l'équilibre. Deux ans sans le faire, presque trois. Là, je commence à faiblir. Encore deux ou trois. Là, pour les dernières, on peut faire sans le ballon. Voilà. Ouais, nickel. Ah, c'est parfait. Yes. Une variante latérale. Voilà, on varie les orientations. Non, je m'arrête, j'en ai marre. Voilà, pour ce genre d'exercice, on n'éprouve pas vraiment du plaisir parce que ça brûle, ça fait mal. Par contre, quand on les maîtrise bien, on sait très bien qu'on aura vraiment, vraiment la patate pendant l'hiver et que sur les dernières 30 secondes de course, c'est là que la différence se fait. Et si on maîtrise ces exercices, c'est là qu'on va vite.